Eh bien le bonjour à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où aujourd'hui on va s'occuper, faire une petite vidéo sympathique où on va commencer je pense par rouler un peu. On se retrouve encore sur le petit bike-park. Enfin, le petit bike-park. La petite création. Voilà. Les pistes là, il y en a. Commence à en avoir, il y en a déjà une là-bas. Deux, trois. 4. Il y a déjà 4 pistes sur sur le terrain, donc c'est déjà bien, on peut dire ça que c'est bien déjà. Il y a beaucoup d'arbustes, de fougères et tout, mais bon ça c'est pas grave, c'est qu'un petit détail. Et puis voilà. Bon sur ce, aujourd'hui on va rouler un peu, on va aller rouler un peu plus bas je pense. On va s'entraîner sur elle de bord, j'aime bien, que j'ai fait sur la vidéo précédente. Donc voilà. On peut faire ça, je pense qu'on va faire ça. Et puis voilà, allez sur ce, on se retrouve sur le casque pour la petite descente. Et à tout à l'heure. Ok. Bon les potes, ça y est, on est là sur la piste de départ pour essayer la piste. Surtout, faudra leur donner des noms aux pistes. Ça, je pense qu'on fera un peu plus tard. Quand on en aura un peu plus, je pense qu'on se donne une limite de... Allez, là, il y en a déjà 4. Ce qu'il faudrait, c'est au moins 5-6 pistes. Et après, on commencera à donner des longues pistes et tout ça. Enfin bref, pour l'instant, on roule ce qu'on a déjà pour bien les marquer. Allez, c'est parti, on y va. La première qui est assez bien, j'aime bien. Ouh, je me suis envoyé. Et là, on fera un saut plus tard. Vous voyez qu'ici, qu'on ne peut pas monter encore. Faudra que j'arrange le truc. Et c'est ici que je voulais faire une autre descente. Mais après, on verra ça. Donc voilà, c'était le petit freeride qui est assez sympathique et au-dessus. Et puis voilà. Il fait très chaud. Si on est dans une semaine où il fait très chaud, ça me rend dingue. Et par contre, on va tourner la roue. Ouais, voilà, là. Après ici, là on pourra faire une petite arrivée aussi en vélo. Mais c'est très hard ici. Très dur. Il n'y a pas trop d'endroit pour bien commencer à rouler. Il fait très chaud dans ce casque. Il faudrait, je pense, aussi à m'acheter un casque pas intégral, genre ouvert. Et ça, on verra plus tard quand je ferai des grosses balades en enduro, surtout quand je veux la pierre quoi, ou même quand je viendrai ici, quand je prendrai l'habitude, enfin du terrain, même si c'est pas trop chaud. Ouh. Je vous montre un peu les remontées aussi. Ouais, je galère, ça fait dingue. Ça c'est raide, on dirait pas quand même, mais c'est raide. Bon voilà. Je pense qu'on va faire la piste elle là. Celle-là. Descendre et puis voilà. On est très chaud. Ce saut je l'aime bien, il propulse bien. Il fait bien arriver là dans le virage. C'est pour ça qu'on l'aime bien. C'est très poussiéreux. Poussiéreux. Mal à parler. Voilà, on se retrouve là-haut au départ de l'autre. On se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Bon les gars, ça y est, on se retrouve en haut de la piste. Alors voilà, l'arrivée est juste dessous de la piste. Du coup, le départ que je voulais vous montrer d'une prochaine piste, ce serait celle-là. On passerait en bas dans l'arbre, dans le châtaignier. Bon, il y a un peu de rocher. Mais le moment venu, je vous la présenterai bien. Parce que ça peut être assez pas mal à faire. Bon là, sur ce, on va passer sur là, sur celle-là. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait celle-là. Mais ça va, tranquille, elle passe. Allez, c'est parti. Wow. Wouhou. Oh, elle passe toujours aussi bien. Elle passe toujours aussi bien. Mais comment dirais-je? Un peu plus de vitesse, elle passera encore mieux. Bon là c'est juste parce que pour la marquer, ça fait longtemps. Oh, un hélicoptère.
l'idée, je vois pas trop. Bon, en tout cas, c'est pas pour moi. On n'a rien cassé encore. Mais bon, comme c'est l'été, on surveille avec les feux de forêt qui, en ce moment, qui ravagent la France. Du coup, c'est un peu chiant. Les gens là qui foutent le feu ou les feux par accident. On surveille toujours. Moi, je pourrais pas. Ça traîne feu. Ah, ben j'ai des rails. Vous voyez, j'ai toujours pas changé le pédalier. Je pense à la rentrée en septembre, on ira là. Le changer. Sur ce, voilà. Bon, allez, on se retrouve en haut tant que je arrive à remettre mon dérailleur. Et puis voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, les potes, on se retrouve. Ça y est, on est remonté. On va la refaire une deuxième fois. Et après, je pense que ce sera bon. On partira sur l'autre après. Elle est trop bien cette piste. Je l'aime trop. Avec ce petit saut devant qui est assez drôle. Et voilà. Bon, allez, c'est reparti. On repart. Là, faut laisser partir le vélo. Oh. Wouhou, je me suis plus envoyé là. Là, j'ai plus envoyé le couscous. C'était pas mal. C'est une piste assez bien. Avec deux tables. Assez jolie. On va remonter par là. En fait, il faut être léger sur le vélo. Quand tu es léger sur le vélo, cette piste, elle passe, mais tranquille. Il faut juste avoir le coup de main. Quand tu as le coup de main, tu as compris. Bon, moi, au début, je me chie dessus un peu. Après, c'est pas des sauts de l'enfer non plus, mais c'est des petits sauts que plus tard, après, on pourra améliorer. Ah, voilà. Allez, sur ça, on se retrouve sur l'autre piste. Pour l'essayer, je suis très essoufflé. Et puis voilà. Allez, attends. Bon, les gars, on se retrouve sur le début là. Elle, j'aime bien particulièrement. C'est la toute première piste que j'ai tracée. Je l'aime bien cette piste. Allez, on envoie la sauce. Là, on prend de plus en plus large. Wow! Oh, chaque fois ce virage. Je vais vous montrer pourquoi je pars en avant. Voilà, on l'a jamais pris. Ça fait un moment. Ouf. Wouhou. Wow. Alors, je vais vous montrer la petite remontée là. L'endroit où je suis parti en bascule. Je vous montrerai pourquoi je pars comme ça à chaque fois. Ça me saoule. Ça me saoule. Et là, il y a une suite de pistes qu'on pourrait faire plus tard. Wow. C'est de quoi, hein. La suite de piste, elle est là. Je vais enlever mon casque pour mieux voir. Suite de piste à faire. Juste ici. Après, le problème, c'est qu'il faut remonter. Et puis voilà. Mais bon, c'est pas un problème ça. Là, j'avais pensé de faire un road gap. Mais bon, c'est compliqué dans le ruisseau et tout. Trop dur. Mais sur la gauche, on pourrait faire une belle piste. Il fait très chaud les gars. Il fait très très chaud. Bon, sur ce, je remonte et je vous montre pourquoi je pars en avant comme ça. Je vais vous le montrer. Et on se retrouve là-bas. Bon les gars, je suis arrivé. Alors là, on est sur la piste là. La descente que j'ai faite tout à l'heure pour vous expliquer le petit blème à chaque fois qui arrive. Wow. Quand je passe ce virage. Enfin ce virage. Ce petit passage qui me fait beaucoup peur, mais beaucoup de chaviré. Alors déjà, vous pouvez constater, il y a une grosse pierre là qui fait bien changer de direction si on se la prend. Ensuite, mon pneu frotte beaucoup là. On peut voir que mes pneus passent carrément là. Sachant que quand j'arrive là, il y a un petit saut, l'atterrissage donc il part là. Et le problème, c'est que avec le pédalier, une fois j'ai touché, ça m'a fait dévier et je suis parti dans le décor en bas. Mais le problème, bah vous pouvez voir ma trace en plus, elle a été il n'y a pas longtemps. Du coup, le problème c'est que c'est chiant quoi. Je perds de la vitesse, sachant que là il y a une remontée, on pourrait sauter, vous voyez. Mais c'est ça qui est chiant quoi, qui me fait perdre la vitesse. Après, arriver dans les arbres, ici tout va bien. Après, vous connaissez, pour ceux qui regardent ou qui suivent la chaîne depuis
un bon bout de temps, vous commencez à reconnaître un peu les pistes. Ouah, il y a quoi là? Je sais pas ce que c'est. Sachant que là, après ça descend tout droit. On est pas mal. Donc voilà, c'est un petit truc comme ça. Qui est assez chiant. Je déconne. Qui est assez chiant. Donc je sais pas par la suite. Est-ce que va falloir que je change. Couper les cailloux. Qui est chiant un peu parce que ça met un peu des obstacles et des sauts. Après, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Ça me saoulerait un peu de les couper. Bon, après, je gagnerai de la trajectoire aussi. Plus confiant. Bon, je sais pas. Je sais pas du tout. Après, là, faut savoir que là aussi, il y a une autre piste qu'on n'a pas exploité trop. Et que j'hésitais à faire relier avec la piste qui est là-haut, qu'on n'a pas trop roulé. Hein. On l'a roulé qu'une fois depuis qu'elle a été créée. Putain, je suis soufflé avec la chaleur, c'est vraiment chaud. Donc voilà, c'est une piste qui est juste là. Donc voilà. Je peux pas trop vous dire après casser là-dedans. Mais il y a beaucoup trop de forêt. Je sais pas, c'est chiant. C'est assez chiant. Donc je sais pas. Je sais pas comment m'y prendre. Franchement voilà. Wow. Je pense que le titre de la vidéo, ce sera roulage. Je sais pas si ça se dit. Roulage et présentation un peu de la piste. Enfin des pistes. Parce que c'est assez galère. Voilà, force de passer ici, c'est pareil. Regarde, la force de passer, on casse. Après, c'est pas chiant, mais ça fait une plateforme. C'est assez sympathique à passer. Voilà, cette ligne droite qui est monumentalement trop bien. Vous y allez, là, vous lâchez les freins, mais wow, c'est trop bien. Voilà, c'est cette piste-là qu'il faudrait peut-être que je nettoie. L'entretien. Parce que franchement, elle peut être pas mal. Avec le petit soquet là-bas. Et puis voilà quoi. Le petit saut. Et c'était là-bas que je voulais faire une liaison. Alors on va dire une liaison. Ça, je pense que je le ferai en fin d'été. Plutôt dans l'hiver, quand les arbres repousseront plus. Je me ferai pas chier, vous savez. Je prendrai la débroussailleuse avec une lame. Paf, 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 je patrie tout ça. Faire des petits trucs, des petits slaloms, des petits trucs rigolos. Après ici c'est pas trop une piste. Des pistes, il y a des pistes pour l'enduro, pour le DH. Donc voilà. Donc pour le moment celle-là elle est un peu condamnée on va dire. Malgré qu'elle soit bien, hein. Attention, je l'aime. Pas jamais dit que j'aimais pas. Mais bon. On peut pas tout entretenir les pistes. Donc voilà. Donc voilà voilà. Là aussi elle est bien roulée celle-là, pas rien à dire, il n'y a rien à dire dessus. Celle-là aussi elle est bien roulée, ça fait 2 ans que maintenant certaines pistes y sont. Donc voilà, c'est un petit topo, un petit ensemble de pistes, regardez. Voilà, je vous montre un peu le tour. Voilà les petites pistes, on est au centre là du terrain. Voilà, bon là par là en ce moment on peut pas trop faire de travaux après. Voilà, donc du coup on peut pas faire trop de travail avec la chaleur et tout. Mais donc voilà, là on peut que profiter, que rouler pour le moment. Après je m'étais donné ça comme objectif. L'été on fait pas trop de choses. Je fais plus de choses l'hiver. Je préfère quand il fait froid, quand il y a un peu de pluie. Pour la terre soit un peu meuble à travailler. Parce que là regardez c'est... C'est rien, c'est du sable, la poussière. C'est dur, c'est galère. Il faudrait une mini pelle pratiquement. Alors que nous, on a que des petites pelles, une petite pelle et tout. C'est que des petites pistes, hein, tracées comme ça à la main. Et puis voilà. Il faudrait que je pense à récupérer le vélo, mais en fait, je suis claqué déjà, les gars. Je suis mort. Enfin, de me poser là, comme ça, là. Et puis voilà. Bon ben je pense que là on va remonter
faire un peu de 3 sauts et puis voilà, je pense que la vidéo sera des vidéos courtes parce que je sais que vous aimez pas trop. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop les bike-parks, parce que c'est même pas un bike-park, c'est un petit terrain de vélo. Mais juste c'est trop roulé quoi, voilà quoi, c'est, il y a de la construction, du roulage et tout machin. Faudrait faire une chaîne secondaire. Oh, j'arrive pas à parler, gars. Faudrait peut-être faire une chaîne secondaire. Je sais pas, je suis en réflexion. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop de vidéos. Parce que des vidéos, il en faut. Je sais pas. Les vues, ils augmentent pas trop. Enfin, voilà, les vues, les likes surtout. Les gens, ils regardent les vidéos un peu, mais bon, vous likez pas trop. C'est, voilà, quoi. Je me livre à vous, quoi. Comme une petite vidéo tranquillou, quoi. Après, voilà, quoi. On faut peut-être du nouveau dans la chaîne, je sais pas. Sachant que la team elle s'est rétrécie un peu. On a plus trop Corentin avec nous. Arthur, il me fera les montages. Je sais qu'il va me faire les montages là. On roule ensemble. Oh là, c'est l'orage que j'entends là. Ce serait pas mal s'il pleut un peu. Ouais. Enfin voilà, sur ce, ben, les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. Je suis un peu fatigué. Et voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'a plu, mets le petit pouce bleu, abonne-toi et mets le petit like. Et puis voilà quoi, si vous aimez la vidéo. Allez, sur ce, je vous laisse avec ça, les gars. Ciao tout le monde.